Tu vas être assineux, peut-être. Rappelez-vous, c'était le 25 novembre dernier, Banque Populaire 5 avait croisé un lagoon en plein Atlantique 3 jours après son départ de Brest pour le Jules Verne. Avec un différentiel de vitesse de près de 30 nœuds entre les deux bateaux, voici ce que ça avait donné. Le marquage du Qatar est celui de l'Atlantic Rally for Cruiser, une grande transat qui a rassemblé plus de 200 bateaux de croisière dont 11 lagunes entre les Canaries et les Antilles. En comparant les cartographies de la course avec celles de Bank Pop, nous avons pu identifier le Qatar. Il s'agit de Happy Cat, un lagoon 421 néo-zélandais, qui a eu l'excellente idée de filmer lui aussi la plus incroyable rencontre de leur traversée. Ha 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 ha!